Salut tout le monde, nouveau test. Carabine fixe ou libre? Là, je veux faire un test. La carabine vissée solide, tirée pour voir le groupement. Après ça, je vais enlever la botte puis je vais laisser la carabine libre. Je vais faire le test. Parce que je me prépare à essayer un paquet de balles. Fait que là, je vais savoir comment faire pour tester. Je vais faire le test avec la Long Range SK. Elle va quand même assez bien dans ma carabine. C'est pas la meilleure, mais pour la longue distance, c'est elle. Elle est vraiment bonne. Fait que là, je vais vous filmer ça. Ça tourne là-bas. Là, j'en fais quelques tirs de pratique dans la cible en dessous. Parce que la carabine est froide un petit peu. Je vais me tasser dans cette palette-là. Ici, ça glissait trop à fin de compte. J'ai fallu que je mette un petit maçonnette. Bon. Je vais faire quelques tirs là pour voir si ça groupe un peu. Ouais, ça groupe un peu. Ça, c'est carabine fixe. Pas mauvais. C'est un petit peu difficile pour moi de regarder là-dedans. Ça va mieux quand je prends mes deux mains pour tirer comme ça. Bon, ça groupe assez pour vous montrer le test. Fait que là, ce que je vais faire, je vais tirer genre plusieurs cartouches dans une cible. La carabine boltée. Là, elle est bien vissée, là, solide. Et je vais donner une pression forte ici pour pas qu'elle bouge. Ça me tente de savoir ça si c'est important. J'ai remarqué que beaucoup tirent la carabine libre et qu'elle recule normalement. Je vais voir si ça a une influence. Bon. Et je vais viser dans une petite cible en haut. Là, j'ai pas encore réussi mon téléphone à ce que ça filme bien. J'ai essayé le mode pro comme Gilles m'a expliqué, puis oui, ça va fonctionner. Mais il va falloir que je retasse, je refabrique quelque chose. J'ai pas pris les bons capteurs. En tout cas, ça va être le prochain coup. Là. Fait que là, on va essayer ça dans cette cible-là. Je me recule pour voir un peu le centre. Fait que ça va être les tirs carabines fixes.
C'est pas ma meilleure balle à 50 mètres. Mais c'est pour vous donner une idée de la différence. Ça glisse beaucoup. Bon. Fait que ça, c'était la carabine fixe. Là, j'enlève ma botte. Puis je vais enlever, là, j'avais mis un plancher en maçonnette. Pour que ça glisse moins. Fait que là, ça va glisser vraiment bien, là, facilement, là, c'est... Ouais, si vous voyez, là, ça glisse librement tout seul. Fait que je vais la laisser glisser le plus possible. Je vais retirer quelques balles dans une cible en métal, dans le gong, juste pour voir si... OK. On voit mon... J'avais mis un top sur mon téléphone en cas qu'il pleuve. Fait que là, je vais descendre, je vais tirer sur une palette. Juste pour voir si... Ça se peut que le groupe soit différent, un peu. Je veux juste voir au cas où. Je vais réduire un petit peu. OK. Pour être centré un peu dans la palette, j'essaie de me centrer. OK. Hey, ça glisse vraiment, là. Ah, j'ai senti la carabine reculer quand j'ai tiré. C'est un beau feeling. J'aime ça. Sans la carabine reculer, capoter. Bon, ben, essayer de me recentrer, voir. De même, je suis pas pire. Un petit peu plus haut. Oups! Ah, wow, ça a touché au même endroit. Je pense que je pourrais faire une correction tout de suite. Juste pour être certain que mes tirs soient dans la cible tantôt, là. Je vais faire une petite correction. J'ai quelque chose à hauteur. J'essaie de... Ah, ça bouge. Bon. Je vais corriger un peu sa hauteur. J'ai fait deux clics. Je vais faire un tir pour voir si c'est mieux. Ouais, je tire un petit peu ce côté-là. Je vois la hauteur est mieux. Je vais faire un clic ou deux pour le côté. Ah, j'ai fait deux clics. Fait que là, on va mettre les balles en cible. J'ai aimé le feeling quand ça recule. Je pense que ça doit être plus naturel. Tous les vrais tireurs, j'ai remarqué,
de compétition, là, le carabine recule tout dans l'axe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous le montrer, ça vaut la peine. Elle recule dans l'axe. Comparé à le test que j'avais fait avec mon plateau coulissant, là. Je vais juste vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. J'avance. Oups, c'est difficile à vous montrer, là. Ça bouge trop. Ben, croyez-moi, ça recule dans l'axe pas mal. Bon, je suis pas capable de vous le montrer. Hey, ça bouge trop vite. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Peut-être que je vais être capable, là. Vous allez voir, ça bouge un petit peu plus dans l'axe. Je pense peut-être un petit peu, ouais. Non, c'est bon. En tout cas, c'était pour vous expliquer ça. Fait que là, je vais tirer dans la cible. On va grossir ça un peu. On va aller chercher l'autre cible. Par en haut, ça. Hey, c'est à l'envers dans le téléphone. Elle se capotait. Trouve ça drôle, ça bouge à l'envers. Ah, je vais me mettre au niveau. OK, là, je suis au niveau. Je vais y aller tranquillement, chercher ma hauteur surtout. La largeur, je la fais avec ça. Bon, il y a de quoi qui se passe. Ah, je suis pas centré. Ce sera pas long, mais on va me centrer plus. OK. C'est toute une histoire. Bon, perdre la cible. Je suis pas habitué, hein, vous le voyez. OK, on va. Bah, bon, on est revenu. Grossissement. Là, on va grossir en masse. Là, c'est ma hauteur. Je vais checker mon niveau. Mon niveau est bon. La hauteur, je vais lever un petit peu. Ça devrait être pas pire. Ça va être les tirs carabine libre. Tout branle. Je vais tenir ça comme ça. Bah, bon, j'ai tout perdu. À cause que la carabine est libre, elle se promène plus. Je suis un petit peu à droite, je pense. Ne bougez pas, je me replace. Ah, ça bouge vraiment vite, mon affaire. OK. Va dégrossir un peu. C'est gros un peu. Je vois pas super 100% bien, là. J'ai pas réussi à corriger le focus encore. On va réparer ça un jour. Bon. J'essaie de pas trop mettre de poids, tu sais, pour que la carabine glisse librement.
Tu vas enlever un peu ben, hauteur. Ah. J'ai bougé au tir. Je l'ai senti bouger à dernière seconde. C'est plus difficile de tirer comme ça, regarde. On va essayer de pas bouger, là. Là, je pense que j'ai moins bougé. Ouais, ben d'après ce que je vois, c'est mieux de tirer la carabine libre. Oups, perdu la cible. OK, elle est là. Un petit peu ce côté-là. Hop. On va alors essayer de me replacer. Je veux pas peser fort sans la carabine. Je veux le laisser glisser naturellement. Bon, on va aller voir qu'est-ce que ça donne là-bas. C'est à 50 mètres. On va aller voir ça. On va fermer lui. Là, j'ai mis le petit micro sans fil, c'est la calotte. J'ai essayé tantôt mon micro avec fil, avec la patente, mais là, c'est plein d'eau à terre, plein de pluie. J'ai dit, lui, il va faire la job. Ouais, là, vous voyez mon installation. J'ai mis une calotte sur mon téléphone en cas qu'il mouille. Fait que c'est ça ici que ça donne la différence. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous le mesurer avec un galon mesuré, là, pour voir la différence. Ici, j'ai tiré, on peut dire gros comme le pouce. Ça veut dire un petit peu plus qu'un MOE. Ça, c'est une pratique que j'ai faite hier soir. Là, en général, ben, ça a donné un gros trou là. C'est peut-être une petite affaire plus précise, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence carabine libre ou carabine fixe. Ça me surprend, je pensais qu'il y aurait une plus grande différence. Je suis surpris de ce test-là. En tout cas, je peux pas rester dans l'idée que ça soit comme ça. Faudrait que je tirerais à 100 mètres pour le savoir. Fait que là, les gars, ben, on est go à la pluie et je tire à 100 mètres. Je vous montre le résultat. 100 mètres, c'est ça que ça donne. Ce côté-là, ici, c'est vraiment vissé fort. Bien bolté, bien serré. Et ce côté-là, c'est libre. C'est beaucoup plus grain libre. Pour vous mettre la dimension avec une photo, là, vous allez voir. À fin de compte, ben, c'est mieux vissé avec mon système à moi. C'est mieux solide, bien vissé. Il fallait que je fasse le test à 100 mètres pour savoir. En tout cas, ben là, je suis content de le savoir. À 50 mètres, ça semblait le contraire. Puis à 100 mètres, c'est le contraire. Rien à savoir, hein? Là, je l'ai fait sans caméra parce qu'il pleuvait. Il mouille encore. Je me suis fait pogner à la pluie, il mouille. Mais j'ai pas le choix, il annonce la pluie toute la semaine. J'ai attendu 3-4 heures, puis il mouille encore. Je vais faire le test. Mon maringouin. En tout cas, ça me surprend un peu, là, mais c'est le même. Hein? Vous me direz dans les commentaires si ça vous surprend, vous autres aussi. Moi, je suis surpris de ça. Bon, tiens, les amis.